Bonjour, je suis avec vous aujourd'hui pour vous donner la façon de faire un ourlet spécialement sur nos jeans que nous avons toujours à raccourcir. Vous avez besoin de fil que vous prendrez un petit peu épais parce que le tissu est épais, d'un mètre ruban si vous voulez être très minutieux, de quelques épingles, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. La façon de s'y prendre est la suivante. Vous retournez votre pantalon, ce qui facilitera la couture, et vous faites tout du long de votre ourlet. Là, je suis par exemple à 9,5. Vous allez mettre une épingle dans le bas pour tenir votre tissu. Et pour être sûr que votre ourlet ne bouge plus, vous en mettrez une en haut, dans ce sens-là, de façon à ce qu'elle ne vous gêne pas quand vous allez coudre. Vous reportez la même distance, un petit peu plus loin. Vous allez remettre une épingle dans le bas, une épingle dans le haut, et vous allez faire ainsi tout le tour de votre pantalon. Ensuite, vous prendrez une aiguille en filet. Alors, faites bien attention à la qualité du fil. Un nœud dans le bout, et vous commencez votre couture. Le but, c'est quand même de faire tenir le bas de l'ourlet et qu'on ne voit pas trop les points à l'extérieur. Donc, vous pouvez prendre un morceau un petit peu plus gros sur l'ourlet et prendre simplement un petit fil quand vous arrivez sur l'endroit de l'ouvrage. Et vous continuez. Un tout petit fil là, à l'intersection de deux fils, et un gros morceau, enfin un morceau plus gros, sur le bord de l'ourlet. Et vous renouvelez l'opération. Un petit fil. De façon à ce que sur l'endroit, vous ne voyez pas les points. Bien sûr, plus le tissu est fragile et fin, plus vos points doivent être petits. Mais n'oubliez pas, quand c'est un ourlet de jean, que vous pouvez mordre beaucoup sur le pantalon lui-même. Voilà. Bonsoir.